une nouvelle soirée cinéma avec les appareils ménagers Whirlpool. Fou du foot, ne manquez pas coup d'envoi tout de suite sur la Une. Pour extirper la sauvagerie et créer une société nouvelle, les missionnaires se sont toujours penchés sur la jeunesse. 38 ans après la fin du Congo belge, des missionnaires congolais en Belgique. C'est le monde à l'envers. Jamais vous n'avez imaginé que vous vous retrouveriez un jour curé de paroisse en Belgique. Ah, ça non. Vous aviez des préjugés. Au début, oui. Et maintenant, je dis comment j'ai pu penser des choses comme ça. Les mentalités sont quand même un tout petit peu différentes, hein, au Zaïre et ici. Hein. Missionnaire chez les Blancs, ce dimanche, 22h25 sur la Une. Bienvenue au jeu Go Belgium. Parmi ces 5 t-shirts, ce diable rouge en a choisi un pour lui porter chance. Lequel? Jouez avec Jupiler et la RTBF. En téléphonant maintenant au 0900 00400, vous gagnerez peut-être des places pour la Coupe du Monde ou des t-shirts exclusifs Go Belgium Jupiler. Bonne chance. Des taches de vinaigrette qui resteront inoubliables. Tant que vous utiliserez une poudre compacte ordinaire, vous aurez des difficultés avec les taches de graisse. Venez, en séchant les taches forment un bouclier. Les poudres compactes ordinaires n'ont pas assez d'énergie pour enlever la saleté en profondeur. Il vous faut le nouveau Dixan Blue Energy, doublement actif pour une propreté en profondeur. Les perles bleues foncées brisent le bouclier, les bleus clairs agissent en profondeur. Regardez, uniquement ce qui est sans tache à l'intérieur et sans tache à l'extérieur. Impeccable. Le nouveau Dixan Blue Energy, doublement actif, une propreté plus profonde. Wanna be americano, americano. Living alla moda, whisky soda. All you do is sing of me. Ah, ah. Tu vuoi fare l'americano? Siéntame, non c'è niente a fa. Oggi è napolitano. Balcon, Pâques, au Tison. Ce 12 avril, les Belges du bout du monde vous emmènent en Laponie pour une émission Grand Frisson à leur rendez-vous dimanche 14h10 sur la Une. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En effet, coup d'envoi déjà de la 29e journée de championnat. Cette semaine, vous le savez très certainement, Bruges et Genk, premier et deuxième de la compétition, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique, si bien que les 3e et 4e places de notre championnat seront qualificatives pour la prochaine Coupe de l'UEFA. C'est l'une de ces places qu'ambitionne Anderlecht, bien sûr, mais pour cela, il faudra gagner du terrain. En commençant par le match de ce soir, Anderlecht-Lommel, 3 points à ne perdre en aucun cas pour les Bruxellois. Place aux images. Stassin, domaine à droite. Stassin a déjà de l'avance. Donne vers Aarst. Aarst pour lui-même. Oh, magnifique! Belle occasion créée par Aarst. Il s'est ouvert un bon angle de tir et son envoi un peu trop croisé à côté du montant droit. Mais Ole Martin n'a pas fini de nous surprendre. Dois-je vous rappeler qu'il est déjà l'auteur de 8 buts dans cette compétition. C'est Limes. Ole Martin, joliment pour Gore. Gore, attention, pied droit de Gore et le ballon dans le but. Et c'est très joli parce que le jeune Gore, je dis jeune, fêtait hier son anniversaire. Il avait en effet 25 ans hier. Gore. Et donc, bon anniversaire pour Bart Gore, qui marque le premier but de la soirée après une première action dangereuse de Aarst. Voyez la passe déviée par Aarst
excellemment pour Gore, qui rentre bien en direction du point de pénalty. Et puis du pied droit, s'il vous plaît, place le ballon au fond du but. Le gardien Neyss, sorti de son domaine, est tout à fait surpris. Ça n'était pas très puissant, pas très fort, mais il y a comme un petit contre-pied et un rebond, de toute façon, profitable. 1-0 pour Anderlecht, 22 minutes de jeu. Le relais de Stéphane Stassin. Il a traversé tout le terrain. Non, préfère donner à Basset, Dio, qui dans la foulée envoie le ballon vers les sièges d'affaires. Il faut Canarts. Ses côtés, c'est Limes qui offre le ballon à Eichhoun. Non, il est bien parti là, Eichhoun, qui redonne vite à Canarts. Voilà qui est fait Canarts et il marque. Non, tir à côté. La plus belle occasion pour Lommel depuis le début du match. Il a fallu attendre 34 minutes. Occasion pour Canarts, auteur déjà de 8 buts dans la compétition. Vous voyez comme Eichhoun donne le ballon au bon moment. Voilà, ouf. Et Canarts qui place à côté. Canarts. Canarts, Eichhoun. Eichhoun passe 3 ans de Anderlecht en une accélération, qu'il est bon. Alors, ce petit bonhomme, est-ce qu'il arrive à centrer? Oui, pour Canarts. Et nouvel essai. Deuxième avertissement. Ballon pour Basseggio ou pour Zetterberg. Zetterberg vers Gore maintenant. 36 minutes et demie. Basseggio, Zetterberg. Oh, c'était pour Chiffaut. Bonne intervention d'ailleurs. Mais Toment est là. Chiffaut, Toment. Joli mouvement. Toment pour lui-même. Et finalement, le gardien Neyss. On essaye de bien faire. On essaye de parfaire le geste du côté anderlechtois. Toment placé devant le but de Lommel. À ses côtés, Segers, vous le voyez, comme au basket, on se tient, on ne se lâche pas. Le coup de coin est botté très très haut vers le deuxième piquet. Nassen, qui est peut-être le moins grand. Gore, Chiffaut, un tir en demi-volée à côté du but. Et c'est Enzo Chiffaut. On en restera là, au repos, 1-0. Un but de Gore. Et un dernier essai, là, par Enzo Chiffaut. Répété, la frappe, le pied droit. Enzo, à côté. C'est Limes, le Roumain, contre-pied devant Canarts. Il continue encore. Il arrive à centrer vers Olle Martin. Reprise de la tête d'Olle Martin qui finira par devenir, ma foi, très populaire ici au Parc Astrid. Zetterberg pour botter ce coup de coin. Bientôt un quart d'heure en cette deuxième période. La reprise de la tête sur la ligne de but. Et Neyss en deux temps qui intervient. On va revoir tout cela. Bien disséqué, fort bien donné ce coup de coin, la reprise de Basseggio, l'intervention sur la ligne de Vinken et finalement.